C'est à peu près par le temps que je vais vous faire la vidéo de la démonstration de l'application Dyson Link qui va fonctionner dans le cas présent avec un PureCool Link que voici ici. Alors, l'application Dyson est à peu près bien faite. Elle pourrait être largement mieux, surtout au tarif des produits Dyson. Donc là, on est sur le robot, on s'en fout. On va passer sur le PureCool Link. Donc vous voyez, j'ai la météo extérieure donc de Balma qui est affichée sur certains lieux, typiquement à Tarbes. Vous avez en plus la quantité de particules, il y a un troisième digit qui arrive ici, un troisième chiffre, qui vous donne le nombre de particules et la taille des particules sur le côté. Dans le cas de Balma, ça n'y est pas, dans le cas de Toulouse, ça n'y est pas, il doit y avoir une particularité avec la station météo qu'il y a à Tarbes. Je ne vois pas pourquoi, je n'ai pas réussi à me l'expliquer. Quand vous arrivez ici, dans le petit histogramme, mais vous avez la vue jour par jour de la qualité de l'air chez vous. Donc vous voyez, c'est globalement good. Évidemment, le purifier est là. Et il y a des fois où ben, ça pue du cul, d'autres où ça pue du cul. Et en fait, c'était le premier jour. Non, on a peu d'historique en fait. Tout simplement, on est à vendredi dernier. Il semble qu'on ait une semaine d'historique. Et après, je peux regarder semaine par semaine. Voilà, les jours qui sont bons, les jours qui sont pas bons. Et là, je n'en avais pas. Donc là, c'était le premier jour où le Dyson PureCool Link est arrivé. Le deuxième, c'est un peu mieux. Et après, je suis redescendu en vert tout le temps. Et les mardis, mercredis, je ne sais pas pourquoi, c'est assez dégueu. Donc voilà, ça c'est la vue qu'on a. On a le temps de purification utilisé sur le filtre, donc 2 jours, 3 heures et 2 minutes. On voit qu'en bas, il reste 4108 heures. Alors vous, peut-être que vous ne le voyez pas, mais il reste 4108 heures d'utilisation de filtre. La température moyenne dans l'appartement est entre 22 et 28 et l'humidité moyenne est entre 45 et 71%. Ça donne des métriques qui sont assez intéressantes, je trouve. Ici, vous avez l'intérieur de votre maison. Donc ben là, c'est jaune. C'est quand ça sera bon, ça sera bleu, etc. Et depuis ici, je peux piloter le PureCool Link. Donc là, il est en mode automatique et il tourne à 3, comme vous le voyez. Clac. Et depuis l'application, ici, je peux tout simplement venir lui dire, ben Michel, t'es mignon, mais moi, je veux que tu tournes à 7. On laisse valider et ça part à 7. Tout simplement. Idem, sur le même principe, je peux lui dire, je veux pas de rotation. Il valide et il arrête de tourner. Idem, je vous montre pas, mais là, clac, il valide, je demande la rotation, il a eu un petit suspense de mon Dieu, dans quel côté je pars, etc. Et donc, vous pouvez tout configurer depuis ici, on le remet en automatique. Clac, vous pouvez ensuite mettre en place un planning, c'est ce que j'ai fait, moi je lui ai dit, tu purifies l'appartement de 8 h à 22 h, tous les jours, en automatique, avec de la rotation. Et de cette manière, comme vous l'avez peut-être vu ici, il se gère tout seul. Par exemple, là, depuis 8 heures qu'il a allumé ce matin, il a quasiment pas tourné. Hier, il a tourné. Vous voyez, c'est les petits points bleus en fait qu'il y a en bas. J'essaye de faire une mise au point. Voilà, les petits points bleus qu'il y a sur la ligne d'en bas, là, ici, c'est les moments où le purificateur a été actif. Donc vous voyez, sur toute la journée, même si je l'ai programmé de 8 h à 22 h, donc 14 heures, si je dis pas de conneries, j'ai 2 h 36 de purification active. C'est bien de le laisser en automatique. Dès qu'il va détecter quelque chose, je vous invite à regarder la vidéo en dessous. Dès qu'il va détecter quelque chose, boum, il va se mettre à la bonne vitesse pour nettoyer votre appartement dans les meilleures conditions. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis très fan de ce produit. Et vous voyez, là, on est repassé en good, même s'il reste toujours en automatique. Donc, on doit être sur la valeur haute de ce que lui qualifie de bon. Et donc il continue encore pour refaire descendre, avoir un petit peu de marge. Donc bref, ça c'était la mesure ici, je peux faire à peu près tout ce que je veux, et c'est repassé en fer. Et donc le planning, vous pouvez mettre autant de planning que vous voulez, et vous pouvez dire, ben, je veux appliquer ça tous les jours, ou certains jours uniquement, etc. Et je veux le répéter toutes les semaines ou pas. Ensuite, vous avez les réglages du produit. Donc vous pouvez modifier le nom du produit, la time zone, donc le fuseau horaire, et lui dire qu'il se met à jour tout seul automatiquement quand il y a des updates firmware. Vous pouvez donner la qualité de l'air, la qualité cible de l'air. Donc si vous voulez juste une bonne qualité d'air chez vous, si vous êtes légèrement sensible aux particules et au pollium, et si vous êtes très sensible aux particules et au pollium, donc quand vous avez des cas d'allergie violente, etc., il vaut mieux choisir ça. Et ça va tout simplement modifier la quantité de particules et de polluants, la tolérance en fait du Dyson. Si vous mettez que vous êtes très sensible, eh bien, il ventilera beaucoup plus parce qu'il faudra que l'air soit vraiment parfait, clean. Si vous mettez je veux juste une bonne qualité d'air, eh bien, il ventilera un peu moins. Donc moi je suis resté sur le truc du milieu parce que je me dis bon, on n'est pas, c'est pas parce qu'on n'est pas sensible à diagnostiquer en tant que tel qu'il ne faut pas avoir de l'air cool. La localisation, donc là ben, on dit je suis à Balma, voilà, hop, et donc c'est en fonction de ça qu'il vous l'affichera la petite miniature précédente
où il peut vous dire la qualité de l'air extérieur et la qualité de l'air intérieur. Continuous monitoring, moi c'est un truc que j'ai laissé activer, c'est-à-dire qu'il va y avoir toujours un très léger flux d'air qui passe dans le Dyson pour qu'il puisse analyser la température et l'humidité, en plus des particules. Il analyse bien entendu toujours les particules et les polluants, puisque c'est son taf, sinon le mode auto ne servira à rien. Et moi je lui ai dit, tu tournes toujours à minimum, c'est même pas une vitesse 1, c'est vraiment un très léger flux d'air, ça consomme que dalle, même pas un watt, pour qu'il puisse analyser la température et l'humidité de l'air. Par défaut, c'est désactivé. La durée de vie du filtre, donc là, comme vous voyez, 4108 heures restantes, et vous pouvez donc tout simplement changer le filtre directement depuis ici. Quand vous le changez, vous dites reset, pouf, et on repart avec les 4200 et quelques heures. Et la manière dont vous voulez que, enfin, quelle notification vous voulez recevoir, quand il faut remplacer le filtre et quand le produit est en défaut. Et puis voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment un produit dont je suis très très fan. Je vous le dis là en vidéo puisque c'est une des deux seules vidéos qu'il y aura dans cet article. Mais je suis vraiment très très fan de ce produit. Et si vous cherchez un ventilateur, je peux que vous conseiller de prendre ce Pure Cool Link pour la partie ventilateur qui est vraiment très bien. Il fait pas de bruit. Là, vous voyez, il est à 3 jusqu'à 5, 6. Il fait très peu de bruit. Il fait pas de bruit. Il ventile pas mal. Et il ventile très bien. Il y a des modèles qui font que ventilateur qui ventilent encore plus, hein, qui poussent du 600 litres par. 600 litres par seconde, ça me paraît énorme. Celui-là fait un peu moins, si on est dans les 480, je crois, un truc comme ça de mémoire. Mais il a la filtration de l'air, et cette filtration de l'air est juste hallucinante, parce que je suis dans un nouvel appart, il y avait des odeurs de peinture, etc. J'avais beau aérer, ça reste toujours. Et avec cette merde-là, ça fait que tout l'appartement n'a plus la moindre odeur, l'air est beaucoup plus léger. Dès que vous cuisinez, par exemple, quand vous cuisinez, vous avez la sensation que l'odeur de gras, de brûlé, etc., reste toujours fixée au mur. Vous avez beau aérer, mais il faut aérer longtemps. Là, au bout d'une heure de ventilation avec ce machin, eh bien, c'est nickel, il n'y a plus la moindre odeur, etc. Pareil, j'ai la sensation vraiment qu'il y a beaucoup moins de poussière dans l'appartement, parce que tout est filtré par ce truc-là. C'est une vraie route aspirante en fait qui tourne tout le temps. Et vraiment, pour tout ça, pour tout ce qui va être dépôt et polluants qui peuvent rester dans l'air, donc là, j'inclus la poussière dedans et tout ce qui est odeur. Si vous avez des odeurs chez vous, s'il y a de l'humidité ou quoi, ça va pas enlever l'humidité, on va pas se mentir, mais ça va traiter quand même nettement l'air et ça enlèvera une bonne partie des odeurs qu'il peut y avoir chez vous, ainsi que la poussière. Après, reste la question de l'usage de cette chose en hiver, puisque ben, en hiver, est-ce que vous, votre femme ou moi, on a envie d'avoir de l'air qui nous souffle dessus? Mettons quand je fais la cuisine et qu'il y a beaucoup de silhouettes aspirant n'a pas bien aspiré, il peut se foutre à 7, 8, 9, 10 pour traiter l'air. Est-ce que quand il fait 20 degrés dans votre appartement ou 19 degrés en hiver, vous avez vraiment envie d'avoir un ventilo qui souffle à fond juste pour recycler l'air? J'ai la chance de le tester en été. En été, aucun problème. Vas-y, ventile, mec, nettoie mon air, il n'y a aucun problème. Mais en hiver, la question se pose réellement de savoir si ça sera utilisable ou pas. Peut-être qu'on le laissera plus en manuel à 4, 5, 6, mais pas aller plus haut. Voilà. Voilà pour l'application du Pure Cooling. Vraiment, vraiment très, très fan de ce produit que je renvoie à regret chez Dyson.